Coucou tout le monde, aujourd'hui petite vidéo unboxing, c'est parti! Donc voilà les produits, trois produits concernés. C'est un petit lot que j'ai acheté sur Vinted. Donc, on va commencer par celle-ci. Hop. Alors j'ai deux tailles identiques et la troisième est plus petite. Première toile 30-40, une chouette ou un hibou, plutôt une chouette. Nous avons 25 couleurs. Ouais. Un peu de mal, on va le sachet. Désolé du bruit. Donc, je vous disais 25 couleurs. Hop. Petite feuille de route ici. J'ai des DMC. Je pense que c'est les quantités de sachets. Tac. Je vais mettre ça de côté. Donc le toolkit comme d'habitude. Qu'on ne présente plus. Je voulais vous faire voir. Ils m'ont mis des petits sachets en plus dedans. Sachez-y. Et après. Ils sont tout petits les sachets. Les couleurs pour cette toile. Bon, j'ai une majorité de beige. Une dizaine de sachets à peu près. Une autre nuance de beige. Après, nous avons du gris. Du bleu très foncé. Du rose, toujours du rose. Bon, cette toile, ce sera pour ma nièce. Elle a 2 ans et je pense que avec vu l'agencement de sa chance, et ça ira très bien. Enfin, avec la décoration qu'elle a déjà dedans, j'espère que ça va lui plaire. Mais bon, tout petit comme ça en général, faut pas grand chose pour qu'ils soient contents les enfants. J'ai quand même pas mal de couleurs foncées, je trouve. Mais par contre, je vous ai dit 30-40, mais c'est 30-40 en comptant le contour blanc. Donc c'est des fausses 30-40 en fait. Et le reste des couleurs que vous pouvez voir ici. Donc je ne pourrais pas vous dire le vendeur de base, vu que moi j'ai en lot sur Vinted, j'ai tout pris à la même personne. Vu que c'est un lot, en même temps ça me paraît logique. Donc voilà, le premier produit. En tout cas, on a préparé et commencé. Deuxième produit, tout petit. 20 par 30. Allez, on sort. Hop, ça colle. Oh, elle est mal rangée celle-ci. J'ai déchiré le sachet, ça a bien collé. Ah d'accord, en fait la personne a dû la déballer et mal la ranger. Oh. Donc, je vais la déplier. Ouais, c'est ça, regardez. Bon, les... J'espère qu'elle colle quand même. Oui, ça a l'air. Ça
C'est ça. En fait, je pense que la personne a dû déballer pour mettre ses photos sur Vinted et emballer ça un peu à l'arrache, on va dire. Donc 20-30, c'est une petite plume. Dedans, toujours le toolkit, sans sachet. J'ai que le stylet, la colle. Couleurs, bon 20-30 c'est vraiment très rapide à réaliser. Je vais pas être débordé avec celle-ci, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, en une session de painting je pense qu'elle sera terminée. Je vous déroule les sachets. Donc par rapport à la précédente, ce ne sont pas les mêmes types de sachets. Là ça fait plutôt style les sachets de Action. Beaucoup, majorité de bleu, bleu violet pour celle-ci, couleur principale. Très jolie cette couleur. Différents verts. Un beau petit rose aussi là, celui-ci. Et voilà. Donc je sais pas du tout ce que j'en ferai après, si je vais l'encadrer ou l'accrocher ou l'offrir à quelqu'un, je ne sais pas du tout. Ça c'est une autre chose, c'est une affaire à suivre, on va dire. Tac. Et le troisième produit, j'espère que ça ne va pas coller comme la précédente toile. Non, ça a l'air d'aller. Je vais bien les aplatir aussi. Parce que là, je vais les mettre dans un bloc ou je sais pas, sous des bouquins pour bien les aplatir. Enfin, c'est un peu embêtant quand on commence une toile et que ça gondole entre guillemets. Quoi. Donc celle-ci, le tout kit, avec les petits sachets comme l'autre grande toile que je vous sais. Je vais voir juste avant et je vais commencer par vous faire voir les couleurs. C'est une toile de beaucoup de foncé dans celle-ci. Vous allez voir par vous-même, mais c'est une toile foncée et le motif, je vous le garde pour la fin. Désolé du bruit. La manipulation du sachet. Donc du noir, du marron, du bleu foncé, marron clair. Les couleurs sont pas très gaies, on va dire. Pas très joyeux. Mais le motif, ça va, est sympa. C'est une toile qui change de ce que je fais d'habitude. Alors je pose ça. Ici, je ne vais pas mélanger avec le produit précédent. Et pour le motif, voilà, le lapin de Alice au Pays des Merveilles, mais en version, je sais pas, un peu dark, on va dire. Donc 23 couleurs. Les couleurs, je vous les ai fait montrer. 30-40. Plus petite, évidemment, parce que les bords sont comptés dans la mesure. Et voilà, c'est vrai que le lapin il fait un petit peu flipper quand même. Mais bon, celle-ci sera pas offerte à un enfant, je pense pas. À moins qu'il aime. Ça change un petit peu, ça change de l'ordinaire. Je vais vous faire le motif de plus près. Ça va faire ça à peu près en fait. Donc voilà, ce petit unboxing est terminé. Je le tracerai les toiles, parce que je préfère les tracer parce que en fait sinon je tape un peu partout dedans et bah ça fait des. Je commence en haut à gauche, après je tape en bas à droite.
Quand j'en ai marre d'un coin qui est trop sombre, par exemple, je vais aller dans du plus clair ou quoi. Et bah, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi. Donc je vais la tracer, faire des petits 5-5, je pense. Carré de 5 sur 5. Et je pense pas les numéroter. Et après, il n'y aura plus qu'à. Sur ce, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci aux nouveaux abonnés, hommes ou femmes. Et bonne journée à vous, bonne soirée. Bisous.